Bonjour à tous, aujourd'hui pour la suite de l'aventure de The Last of Us partie 2, le petit épisode numéro 20 déjà, hein, déjà 20 épisodes, c'est tellement rapide. Après bon, heureusement qu'il y a un épisode tous les jours parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas fini l'aventure avant 10 ans. Allez passe, comment ça? Ok, parce que là regardez par exemple si on regarde les sauvegardes, je suis à peine à 15 heures de jeu, donc dans la logique il nous reste encore 5-6 épisodes et après ce sera fini, on verra. Bon ben, on y va alors. Let's go mon ami. Je sais pas si c'est un... Lev. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Je ne sais pas. En quelques heures seulement. Elle ment pas. Hop là! J'ai envie de voir un petit peu à quoi ressemble leur camp de base. Parce qu'on a vu le camp de base des Wolves. C'est logique, c'est un petit peu tout ce qui est truc. Et ils vivent dedans, hein, un petit peu tous les trucs. La base là des autres là avec tout ce qui était lié tout Joël et tout. Le voilà. Où ça? C'est l'immeuble où on doit aller. Il est juste à côté. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel pour ton ami? Je crois qu'elle essaie de l'opérer avec Joël et son ami. Ouais. Je crois qu'on peut pas passer par là. Ouais, elle a beaucoup de chance, ouais. 30% de réduction. Et on s'est emporté par les rapides. Oh, on a eu le temps. T'inquiète pas, mon ami. Ça fait 10 ans que je sais sauter. Par où on va, là? Oh, par là. Ah, vite, monte. On a encore eu de la chance. Essayons de voir si on peut grimper là-haut. Par contre, il y a des infectés, c'est pas normal, enfin... C'est une passerelle, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Séraphite. Un rat. Si on en croise, tu pourras gérer. Ouais. Enfin, ouais, gérer. Ils te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Ah, une petite note. Sauvez-moi par pitié. Envoie-moi n'importe qui. Un wolf, un séraphite ou un autre. Je m'en fous. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je me balafrerai. Je descendrai des connards de la Fedra. J'en ai rien à foutre. Je veux pas crever ici. Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces. Mais de qui parles-tu? De la Fedra? Oh, la porte a l'air déboîtée là. La porte, tu peux l'ouvrir, abuse pas. Un petit peu marseillais les jeunes là sur le bord. Ouais, je pense qu'on peut pas l'ouvrir. Je pense qu'on peut pas aller là. Where we can go? Here. Just here. Fais gaffe au bout de verre. May. She. Mais comment elle a fait pour monter là, pour dessiner là? Comment ils ont fait? Ils sont trop forts. Hop là. Un petit zombie. Qu'est-ce qu'on a ici? Des petits papiers. Corps des balles, parfait. Parce qu'on manque un petit peu de balles. Ça c'est cool. Je crois qu'on va pouvoir voilà, crafter des trucs. Ok, on peut rien faire de plus. Ah ben non. C'est pas fameux tout ça, c'est pas fameux. Oh ben, qu'est-ce que c'est? Trop classe en tout cas. Je sais pas ce que c'était mais on a amélioré notre petit... Notre petit coup de coteau là. On va pas sauter dans l'eau, mon ami. On va monter sur le toit. On peut pas passer par là non plus. Ok. Montons sur le toit. C'est plutôt stylé en plus. J'aime bien. Pourquoi on a un pavé ici? Et... C'était dangereux mais c'est passé. Ça on est juste à côté. Est-ce que je peux? Voilà. Puisse-t-elle te guider? Yes. Où est notre ami là? Elle est là, ok, elle est là. Ok. Quoi observer? Oh! On approche de ton immeuble. Stylé. Comment on va faire pour monter tout en haut? C'est vachement beau. Ouais, c'est, je sais. Elle a vraiment fort en bas. Ouais, t'as pas tort, ouais. Tu n'as pas tort, mon ami. Va falloir qu'on fasse quelques détours. Oh, c'est trop stylé, c'est quoi?
C'est Donjons et Dragons? Non, c'est quoi? Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Oh, une PS3! Et vous comptiez aller où? 5ème, je crois. Je sais pas. On voulait juste partir. Tu as bien raison. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai désobéi. Eh ben, pourquoi tu l'as fait alors? Est-ce que tu vas pouvoir me laisser lire? Je sais pas. Je crois qu'elle veut pas que je lise. C'est ton petit côté punk. Punk? Allez, laisse-moi lire. Arrête de parler, bordel! C'est bon, t'as fini de parler? Chère voisine, nous, Sam et James, on habite au 302. On savait pas qu'il restait des gens ici. Faut pas avoir peur de nous. Voici un petit quelque chose, franchement, sorti du four, Sam. Voici pour le pain de maïs. Ma mère m'a dit, vous donnez cette bouteille de vodka. Oh, elle est sympathique, ta maman. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas parti en cas avec les autres? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Ellie Julia. Où t'as trouvé cette vodka? C'est génial. On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les réfuges. C'est la loi de la jungle. Les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. Hésite pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, ta mère et toi, Sam. Merci encore. Je regarderai si je trouve de la farine pour un pain de maïs quand je sortirai. Si a changé ma vie, c'est gentil de proposer d'aider Sam, ma maman. Ce ne serait pas de refus. Je vais sortir chercher des provisions, mais je reviens ce soir. Vous n'aurez qu'à frapper, Julia. Ah, il y avait un truc écrit derrière. Retournez. Les Scars ont vu James cuisiner sur le toit et l'ont abattu. Ah, coup dur. J'en ai tué 2, mais le 3e a filé. J'ai laissé notre porte ouverte et quelques réserves dans notre coffre. Le code, c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous, Sam. Je ne veux pas abandonner ma maman. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Vos affaires sont toujours dans le coffre. Je ne sais pas tirer. S'ils arrivent, on l'enlèvera simplement les mains. Julia. Ok, ils élèveront juste les mains. Ok, ok. Alors c'est quoi leur appartement par contre? Ça doit être écrit juste là. Donc, attendez. Il y avait un numéro déjà de code, enfin un numéro d'appartement. Juste ici, on a le 302. Et l'autre c'est le... On ne sait pas combien c'est l'autre. Donc moi je pense que c'est 302, 301 ou genre 300, 302, un truc comme ça. Là il n'y a rien d'avoir écrit malheureusement. Faut trouver un coffre par contre. Ça va être ici le coffre? Coffre? Ok, il est ici. Qu'est-ce qu'on a là ici? On va essayer 302, 301, 302, 303, 302, 300, etc. Jusqu'à peut-être trouver. On va voir. Donc 300. 300 c'est 3 et un 0. Donc 30. Hop là, 302. Et après on va essayer 300, juste avec des zéros pour voir. C'est pas ça. Ok, bon, je vais essayer juste 300 300, comment ça s'appelle, 301. Et puis on est pas mal. Hop. Ouais, malheureusement je crois que c'est pas ça. On aura essayé. On va essayer de chercher un petit peu aux alentours, voir si on a une information de l'autre appartement d'où il venait. Là on a un petit tableau avec écrit infected, infected, interview. What? Je sais pas comment. mais au moins on en a un sur les... Il nous manque juste le deuxième point de l'appartement pour savoir le combien ils étaient eux. Peut-être qu'on va trouver, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous on continue cette petite aventure. Hello! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Une batte, je vais pas ramasser la batte, je me suis fait chier à crafter un truc. Abuse pas, Thierry. Thierry l'ermite. Ouais, mais j'aimerais bien avoir une petite feuille là pour nous expliquer le combien ils sont eux dans l'appartement, leur numéro. Malheureusement, on n'a pas plus d'information. On va aller ouvrir la porte, peut-être que ça sera écrit genre ici. Que là c'est le 301, c'est pas là. Là on a le 302. Et peut-être qu'il est au-dessus l'appartement duquel eux ils étaient. On va aller check. Hein. Pour moi, ça me semblerait logique. Oh, des flèches. Trop bien. Donnez-moi ça. Cool. Merci. Tu t'en sers depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours? Plutôt doué. Ah, c'est vrai que t'es pas mal. On va voir Yara. Pourquoi il nous fait ça? Quoi? Xia, on est dieu.
Au final, attendez, parce qu'il y avait un truc où on pouvait passer en dessous, donc on va aller juste check. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, dis-moi. Les gens sont parfois cruels. Ma mère disait pareil. Au sujet des wolves. Oh, elle avait pas tort. J'ai peur pour elle. Pourquoi? Ils vont s'en prendre à elle à cause de moi. On peut passer par là. Bon, on passera par là après, parce que je sens que après c'est la fin si on passe par là. Il y a un coffre et tout, moi j'ai pas envie de louper le coffre, surtout que je pense... Oh. Doucement. Ah, c'est les woods. Et ça doit être 301, 302 alors. Hein. Attendez, je vais re-essayer le code. Bon, ben malheureusement, je crois que je n'arriverai pas. Vous me direz si vous savez à peu près comment c'est. Parce que moi, dans la logique, c'est j'ai essayé 301, 302, 302, 301. Parce qu'on sait que ici, là, il y a Julia. Et qu'elle est juste à côté. Enfin, voilà. Et que là, on sait que c'est la 302 ici. Et que là, c'est la 301. Sauf qu'il paraît que ce n'est pas ça. Donc, bon, bah, c'est pas grave. On fera 100. Hein. Et puis, de toute façon, si vous aimez, vous le savez, ben n'hésitez pas à me le dire. Et puis, peut-être qu'un jour, on en apprendra plus. Mais bon, voilà, malheureusement. Je n'ai pas trouvé, ce n'est pas grave. Ah mais attendez, peut-être que... Le 304... Attendez. Po, le monstre, c'était 304, c'était pas 302. Eh, c'est qui le monstre? C'est moi le monstre? Pas du tout, ça fait une heure, je suis dessus. C'est pas grave. Lire? Non, je vais pas lire, c'est juste un truc qui nous permet d'avoir des meilleurs... trucs, voilà. Par contre, ça nous permet de quoi? C'est équipement militaire. What the hell? Pourquoi quand j'appuie sur pad, il se passe rien, hein? Monsieur, voilà. Ça nous permet de faire quoi? On a tellement de confections maintenant. Confection rapide réduit la motricité et de moitié le temps de confection des objets. Ok, ça nous permettra à la fin d'avoir des trucs explosifs. Ouais, pas ouf. Moi, je préférais vraiment les trucs des grenades. Il y avait aussi ça qui était pas mal. Ça, c'était pas ouf. Les ennemis détectés en mode écoute n'apparaissent plus nettement. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Déplacement en visant, ça peut être cool, ça nous permet d'avoir une meilleure vitesse de déplacement, après on aura des munitions de chasse supplémentaires et des cartouches incendiaires. Ouais. Bon, on va aller améliorer celui-là et après comme ça on essaiera d'avoir les cartouches incendiaires, ça peut être pas mal. Et puis voilà, j'ai tout fouillé, c'est bon? Ok. Eh bien parfait, continuons donc. C'était 304, ça fait une heure que je suis dessus. Ne vous en faites pas, c'est géré. La suite elle était par contre juste au-dessus et je l'ai vu en haut, on ne pouvait malheureusement rien faire. Oui non mais t'inquiète, je sais que c'est juste ici, il va me dire, oh là là. Hop là, il faut descendre là. Je le sais. T'inquiète, je... Ah mais ça remène au même endroit. Quoi, on a essayé de descendre? T'es pas un peu dangereux toi? Ah par contre, vu que ça fait pas mal de temps que j'attends pour check des trucs, maintenant j'ai masse pointé en me disant, ouais, il faut aller là-bas, il faut aller là. Mais gros, t'inquiète pas, je le sais. Par contre, on est passé par là tout à l'heure. Je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a des petits écrous... Ouais, quoi, si j'oublie des petites beaux écrous comme ça, ça va pas le faire. Hop là. Hello. Ça fait un en moins. Mais lui, ton petit coup de martelette là. Esquive. Pam. Oh, y'a un boss, casse-toi. Waouh. Comment on va faire là? On est Kebou là? Mais ouais, on est Kebou là, je reconnais. Comment ça se fait par contre qu'on lui a mis un coup de cut et qu'elle soit pas morte? Ah, oh, il recharge. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh, c'est bon, c'est géré. C'est géré. Mais par contre, je crois qu'il y a encore le boss, non? Évidemment qu'il y a le boss. Il va exploser. C'est bon, c'est géré. Cette arme-là, le petit gun, il est mais monstrueusement performant, en fait. Tu fais du one-shot quasiment sur tous les mobs. C'est ultra pété, par contre. Bon, maintenant, il doit y avoir plein de loot partout, vu que j'ai usé 50 balles. Dites-moi qu'il y a des loot. Ah bon, si tout va bien, alors. Moi, je vais bien. Tu es combien de séraphites? Pourquoi? Comme ça. Des milliers. Je sais pas. Des millions même, je dirais. Ah bah c'est bon, on a tout fouillé. C'était plutôt rapide. Ah, je préfère faire largement ces munitions, elles sont vraiment bien. De ce petit gun, on en fait en plus deux en plus. Ça, je dis oui. Ah, par contre, la suite, elle était là-bas.
Ici. Je pense qu'il aurait largement pu passer comme ça, tranquille, sans qu'ils arrivent, le boss et tout. Mais ce n'est pas grave. Hop là, vite, vite. Non, non. Non. Ah, c'était trop drôle. L'animation était magnifique. Juste pour ça, je suis fier d'être mort. C'était magnifique. Essayez de rester hors de portée de vos ennemis. Ne t'en fais pas. Allez, voilà. On pouvait pas sauter de là jusqu'à là. Oh. Il dit ça, mais elle est à la limite de se casser la gueule. Ok, bah si t'as déjà fait ça, ça va. On va gérer alors à deux. Vas-y, ça pour voir. Fais gaffe, hein, te casse pas la gueule. Hein. Encore une note. T'as fini de dire des gros mots, oui. Farine. Bah ouais, c'était le mec qu'on a vu juste avant, qu'on a croisé. Mais non, mais tu lis pas. Tu les connais tous, Lescar. Tu les lis pas, tous les trucs. Ouais. Pourquoi je vous appellerai pas autrement? Oh, une table de craft. Mais attends, mais les tables de craft, il y en a 50 millions et on a jamais assez, quoi. Enfin, c'est honteux. C'est honteux, si on te pente, je veux bien améliorer ce gun. On peut pas. C'est le petit revolver, papa. On va garder nos précieux trucs, alors, si on peut pas. Ce n'est pas grave. Il manque 8 petites... Ah bah d'accord, ils sont juste ici. Ok, on va aller améliorer, donc. Ouais, mais aussi, moi, je regarde pas aux alentours quand je fouille. Ah, il m'en manque deux. Ah non, il m'en manque deux. Oh non, je suis unlucky. Il manque juste deux écrous. Et puis on a assez pour améliorer pas mal de choses, vous voyez. Ah, bien, il y en a juste ici là. Voilà. Ah, il y en a encore, je crois, en plus. Ouais, il y en a encore. Il faut fouiller avant d'aller sur les tables de craft. Hein. Il y en a toujours aux alentours des petits écrous tout le temps. Alors, on pourrait améliorer la stabilité de la truc. Mais moi, je préfère aller améliorer celle-là. On va aller améliorer la stabilité de celle-là. Ce petit gun là-haut. On pourra améliorer la lunette des dégâts. Alors déjà qu'elle est extrêmement puissante, cette arme. Alors si en plus tu dois lui mettre des dégâts en plus, tu vas mettre des petits coups de truc là. Oh, elle va enlever la truc, elle va nous mettre une poignée, hein. Tout ce que vous voulez qu'elle met une poignée. Non, c'est pas une poignée qu'elle met. Ah, j'y ai cru. Hop là. Stylé. J'aime bien cet aspect où c'est qu'elle modifie toutes les armes et tout, c'est classe. Allez. Comme ça on est beaucoup plus stable avec cette arme. C'est cool. Ah oui, franchement, oui. Ah oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi ici? Pourquoi t'es là? Oh, pousse-toi. Bon, montons. Ah non, mais pas du tout. Je croyais qu'on devait aller monter, mais pas du tout. Hop, petit saut, petit saut, petit saut, petit saut. Petit pas, petit pas, petit pas. Les vrais ont reconnu, on la ref. Hop là. Il y a des mobs ici, j'en suis persuadé, il y a des zombies. Zombie, maybe here. I don't know. Il y a des bruits, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir du mob. Sûr que c'est le bon chemin. Eh oui, on est sûr, ne t'en fais pas. T'en fais pas, Dory. T'en fais pas. Eh oui, mais ils voulaient qu'on passe direct alors qu'il y a plein de loot aux alentours. Voilà, genre des stimulants, genre juste ici. Il y a des loot de partout et nous on rush pas. Il faut pas rusher dans le jeu, il faut fouiller un petit peu comme ça. Faire un petit peu la fine bouche, fouiller un petit peu partout comme ça, là, pam pam pam. Pom pom pom. Voilà, parfait. Comme ça, on peut faire un kit. Et la limite, on peut en prendre un. Comme ça, ça nous met bien. Et là, je suis plutôt content. Vous voyez, on va prendre un petit kit. Voilà. Parfait. Toi, t'en mets jamais des kits, toi. Hein. Pas bien. Ok, bon, la suite sera là. C'est juste que là, il y a l'air d'avoir une porte entrouverte. Ça m'intéresse, moi, les portes qui sont entrouvertes. Ça annonce des loots. J'aime bizarre, j'avais l'impression qu'il y avait deux passages. Trop chelou. Là, c'est vraiment une grosse zone d'exploration. Ça sent un petit fight à nouveau. Comme d'habitude, on va se retrouver contre pas mal de petits Scar. Ou des Séraphistes, vous les appelez comme vous le voulez. Moi, j'appelle ça des Scar. Parce que c'est plus facile à comprendre. Est-ce qu'on peut passer de ce côté du mur, non? Mais pourquoi il y avait un passage tout à l'heure en dessous alors? What the fuck? Ça menait où? C'est un second passage, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est la... C'est de la vapeur qu'on voit? Ou c'est le truc de l'eau? Et là on va choper une pièce. Non? Ah, j'ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Et donc? Quel est le fin mot de ton histoire? Ah, une petite échelle en bois, ça veut dire qu'on est tout proche. We are tout proche. On y est. Ah bah on y est. Allez, viens.
On va encore monter longtemps. Ah bah oui. Tout va bien se passer. On va monter tout en haut. Oui. Tout en haut. Alors normalement on n'est pas supposé trouver des désinfectés hein, parce que... Oh là. Primeur. Moi je passe pas par là moi, t'es fou. Ouais. Je passe pas par là, hein. J'ai pas envie de mourir. Oh, une petite note. Une petite note. Qu'est-ce qu'on dit? Passe longue. À diffuser. Les anciens ont convenu d'une trêve avec les wolves. Ils ne viendront pas sur notre île et n'attaqueront pas les séraphistes. En transit sur leur territoire externe. Pour leur préserver la paix, nous devrons tous coopérer. Nos objectifs restent les mêmes. Il s'agit simplement d'une autre moyenne de les atteindre. Ah ouais, donc c'était déjà prévu en fait qu'ils nous déboîtent. Enfin, nous, enfin... Parce que je joue dans la peau là actuellement de Abby, mais... Qui déboîtait les wolves. Intéressant. Ah, ça a l'air d'être bien explosé ici. Et par les toilettes. Pu rater ça. Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire « on ». Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. C'est pas faux. On va avoir un petit rendez-vous là, tout en haut, tu vas voir. Allez. Cinématique bizarre, elle me fait peur cette cinématique. La fidèle. Oh, ça c'est touché. Elle s'est fait toucher. Hey. Moi aussi j'ai sifflé. Toi tu vas te manger un pavé dans la tête toi. Esquive, esquive. Pouah, comment je l'ai déboîté. Aïe aïe aïe. Ta place, j'aurais pas fait mon beau. Hein. Tu ne vois pas les autres ennemis. Elle s'est mangé une balle par contre l'autre. Eh, fallait faire gaffe. Oh oh oh. Hey, see you guys. Touché. Touché la tête encore. Le shoot parfait. Tu remontes ta tête, t'es mort. Ah ouais, non mais c'est quoi ces esquives de merde? Oh toi. Toi tu vas te manger un de ces clacasses là. Boum, boum. Vas-y, attaque éclair. Hein? À travers la mer, tu vas fermer ta gueule. Pas très sympa. Mais nous on fait pas dans la sympathique. Hop là, récupère la flèche, merci. Tu vas bien? Ouais. Les infidèles. Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des loots? Peur d'avoir des loots par ici, hein. C'est pas grave. Et toi, tu t'es pas. Ah voilà, mais un petit bandage. Je t'avais pas vu, mais ouais, les petits bandages et tout. Hein. Et ouais, évidemment. Ah, mais j'ai des balles de pompe. On va changer de munitions par contre. Changer de munitions. Hop. Ah non, on était sur la bonne. Ok, bah c'est bon alors. Eh bien, parfait. Parfait. Ah, juste, il y a un petit truc au bout. Non, à part du bois, pas grand chose. On pensait qu'on va encore une fois se faire avoir là en haut. Mouais. Tiens. Du pain. Je veux manger. Encore une statue comme ça? Deux fois qu'on se tape une statuette comme c'est ça. C'est les scars qu'on construit ça? Les séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Ouais, ouais. Personne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits au moins? Non, mais encore des. Ah, mais ça sert à rien que j'aille dessus, on a rien. On a beaucoup de choses. Ah, ça sert à rien, pourquoi tu m'amènes sur une table de craft? Il y a des tables de craft partout là, on a rien nous. Nous, des monsters. Monster equipment. Bon, elle nous en donne un à chaque fois, c'est pas ouf, on va pas aller très loin. Et ramasse là, il y en a plein là. 16, oh ouais, c'est pas mal. Combien on en a? Est-ce qu'on peut le voir quand on est là? Combien on en a? Non, on peut pas le voir malheureusement. Ici, on va se faire ce petit truc, comme ça réduit la moitié le temps de confection des objets. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je dis oui, en plus on a une petite flèche en plus. C'est bien là, on récupère pas mal de loot, c'est cool.
Bon, ça sert à rien, on aura rien. On va économiser un petit peu pour la table de craft et on verra plus tard. Ouais, sauf que cette fois, c'est toi qui vas te faire déboîter. Obligé, il y a des gens au-dessus. Ah, encore une cinématique. Ah non, j'aime pas les cinématiques. Pourquoi tu l'aides? Alors, tu peux pas check voir s'il y a quelqu'un aux alentours? Ils sont beaucoup, 1, 2, 3 j'en ai vu déjà. Il a rejoint notre prophétesse. Il est mort avec courage. Vous pouvez être fier de lui. Comment on va faire? Les anciens nous ont offert un nouvel enfant. C'est un grand honneur. Comment on va faire? Elisabeth leur est reconnaissante. Faudrait qu'on passe par derrière là, mais on peut pas y aller là encore. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. Ouais. Il y a un arc. Bien sûr. À droite. Droite? Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ok, it's a time. It's a time to go. Toi, je t'ai vu là-bas. Oh, c'est peut-être notre moment là. It's may not time. Oh non, on l'a touché juste. C'est là. Mais non, mais non, mais... Tu loupes ta balle, le temps que tu réussisses, tu te fais violenter. Y'a quelqu'un au-dessus normalement, non? Bon, mais c'est pas grave. Bon, ben on est repéré, hein, qu'est-ce que je te dise? Mais quoi? Tiens, des boîtes là. On a pu, on a pu, on a pu, on a pu. Quand tu la tête, quand tu es, pam, pam, coup de tête, bah bon, attention, esquive, esquive. Oh, moi je te déboîte. Tu vas m'aider, Shakira là-bas? Enfin, c'est plutôt un mec, mais... Mais ta gueule! Oh! Esquive. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là, Joachim Dembélé? Tu vas m'aider? Mais... Ah oui, mais elle est pas avec moi, elle! Je croyais que c'était mon teammate. Moi, je me suis dit, ouais, tranquille, tranquille, on va l'aider et tout, mais pas du tout, pas du tout. Tiens, dégage-toi, là. Tiens, bouge pas, regardez-la. Elle bouge pas. Esquive. Oh là, non, esquive, non! On a perdu tellement de balles pour rien. Heureusement qu'il nous les redonne quand on revit, parce que sinon, je pense qu'on serait déjà à 500 millions de balles perdues. Bon, allez, let's go. Cette fois-ci, on va pas se louper sur les flèches. Hop, ça, ça dégage. Ça, c'est fait. Il y en a une au-dessus en haut à gauche, on la connaît, mais je sais que si je vais la toucher, je vais mettre hit marker. Connais les bas, il y en a une juste là. En plus, c'est gros marteau, je crois, en plus. Voilà, gros marteau, tu dégages. On l'a fait en infiltré là. Récupère, 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 récupère. Voilà. Je sais pas où ils sont les autres. Il y en a un à gauche là, on l'a vu. Je sais pas où ils sont les autres. Est-ce que je peux récupérer la flèche par contre? Petite flèche. Non, on peut pas. Oh. Ça aurait été cool. Par contre, le pompe c'était bien sympa, mais. Ah, bah je vais être obligé, j'ai pas d'autre truc que le pompe. Oh, oh. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Voilà, ça c'est fait. Toi là-bas, tu m'as pas vu non plus. Oh, on gère bien là, la petite infiltration, celle-là. Là. Elle est bien gérée, hein. Merci pour l'arc. On peut pas passer par là, malheureusement. Ils ont cassé les. Les escaliers, les bougres. Ce n'est pas grave. On va contourner. Passer par autre part. Oh, c'est trop loin. Ça passera pas. Ça passera pas, c'est trop loin. Oh, it's the time. It's my time. It's my time. Comme ça, je l'attends là. Allez, viens. Ok. Non, mais vraiment. C'est l'infidèle. Non, mais vraiment. Putain, mais ça c'est vraiment improbable par contre. Tu la regardes à ma droite. Ah ouais, à ma droite. Laissez-moi m'enlever ma flèche. Tu la regardes, elle te regarde pas, tu la rush, elle me regarde. Insane. Quoi que ce soit, rien de faire un silencieux. Tu vas réussir, bien joué la, l'artiste. Bien joué, bien joué. On va devoir récupérer ça malheureusement jusqu'à récupérer des balles. On récupère pas grand chose. Ah, j'en entends quelqu'un qui arrive. Non? Ok, on sait.
On sait d'où. Tu peux m'aider ou... Merci. Tu peux m'aider, tu sais. J'ai plus de balles. Oh, oh. Non, c'était un free kill, ça. C'était un free kill, j'ai loupé ça, vraiment. Oh, je suis deg un peu, quand même. I am un poco deg. Oh, petit lance-flamme. Touché, one shot. Touché, one shot. Double balle. Ah, mais même pas one shot, là-bas. Ah si, c'est juste qu'elle est... elle est sur le sol, ok. Il y en a une juste derrière nous ou pas? Oh, il y en a juste là, ok. Ça veut dire qu'on peut pas monter réellement. Il y avait un truc là par terre. Ouais, je crois que c'était un... un truc pas intéressant. Est-ce qu'on peut passer par là? Comme ça, ça évite de se les retrouver dans notre dos. Mais voilà, oui, on peut, effectivement, on peut. Effectivement qu'on peut. Tiens, bouffe-toi ça, toi. On gère, pour le moment, c'est hard de gérer. Il y en a encore 3. Ils vont arriver, ils arrivent sur moi là. 3 balles, 3. Non, tu m'auras pas. Loupé. Tu veux pas la gérer, mon ami là? Vas-y, tire une de tes flèches là. Tiens, bouffe-toi ça. Une balle. Sur les 3. Un mort. Un à droite là-bas, je le tuerai pas d'ici. Et un juste là derrière son petit comptoir là. Est-ce que j'ai un petit pavé là? Tiens, bouffe-toi ça, toi là-bas là. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Oh, mais what? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Mais please, help me. Bon, il en reste qu'une. Elle est tout en haut. Elle va nous tirer des balles chiantes, mais bon. On va y arriver. Tu es où? Caché. Je suis caché. Tu montes ta tête, je t'allais battre. J'ai loupé une balle vraiment comme ça? Non, mais vraiment. Really? Mais bon, on va devoir changer de munitions. Bon, t'as dit, je te déboîte. Bon, bouffe-toi ça. Bon, ben, j'ai plus aucune balle de rien. C'est vraiment la hesse, là. Là, autant vous dire que j'ai jamais été autant dans la hesse. Où c'est Raphaël, peu importe. Ouais. Mais va, donne-moi des balles. J'ai entendu un Séraphite parler comme ça. Première fois que ça m'arrive. Mais ouais, donnez-nous des munes, là, parce que nous, on a vraiment plus rien, là. C'est la hesse. Tiens, on va alterner entre ces deux armes, comme ça c'est mieux, je préfère l'ordre. Un petit cinématique. Aïe, aïe, aïe. Les petits tuyaux qui bloquent, on reconnaît. Oh. Bon. Je prends, même s'il est vraiment plus puissant, il y a là qu'il lui reste que deux coups. Faut grimper. Donc, ouais. C'est pas fou. Ce n'est point fou, mon ami. Oh, des petits loots. Heureusement que je regarde. Si tu regardes pas, tu te fais avoir après. Ouais, ouais, j'ai plus aucune balle de rien, malheureusement. Pa, 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 pa. Ah, des petits écrous. Ah, dis-moi qu'il y a des balles de pompe, là. Non, malheureusement, non. C'est un échec de la part du joueur français. Ah, mais c'est par là. Bah, attends, 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 attends. T'accélères trop le rythme, toi. Oh, bah, il y avait rien. D'accord. C'est un monte charge. Ouais. Il faut que tu baisses la porte. Ok. Stylé. Regarde pas en bas. Essaie juste de penser au bon côté. Bon côté. Ouais. Plus vite. Plus en putain de merde. Tu ressens moins la douleur. Ces sensations. Les mains moites. Le cœur qui s'accélère. Tout ça montre en fait que tu deviens plus fort. Putain, on voit plus rien, c'est trop classe. Il y a un brouillard qui fait qu'on voit plus l'en bas. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable. Par contre, Sensei, ça va. Y a pas des trucs là? Si, du papier. C'est tout, il y avait que ça? Je croyais que vous étiez contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Surtout quand c'est pour les soldats. Ok. Bah voyons. À diffuser, la trêve est terminée. Ils ont attaqué un de nos groupes. Nous devons montrer notre force. Prenez quelques-uns de vos meilleurs soldats et enfoncez-vous sur leur territoire. Tuez les wolves que vous croisirez, quel que soit leur âge. Il faut passer le message.
Ok, on va faire passer le message, t'en fais pas mon ami. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à fouiller ici. Par contre, t'es en train de me dire qu'ils ont mis tout leur loot tout en haut de la tour, genre vraiment. Genre c'est le scénario le moins logique. Mais bon, ne disons rien. Plutôt stylé, plutôt stylé. On peut même pas se créer des régènes. C'est la hesse. Mais tu vas trop vite, y'a pas des loot là? Pas des loot par là? Non? Je trouve que tu vas trop vite. Allez, pas sur le petit pointeur. Hop, 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 hop. Équilibre, équilibre. C'est bon. Les gens passent souvent par là? Oh oui, tous les jours. Ouais. Tu mens. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le chemin le plus emprunté. Oh putain. Ce qui est stylé, c'est qu'on se sent vraiment très très lent. Genre là, je suis super super lent. Alors qu'avant, on pouvait taper des rushs. Ça va, tu vois même pas le bas, arrête de me dire que t'as peur. Je peux te dire que je l'attends, ma véritable force. Ça coule. C'est cool. Ça coule. Non, rien. Ça coule. Trop débat. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami Owen? Oh, rien, rien. Après, Lev, tu crois que c'est le moment? C'est juste que c'était tendu entre vous. Avance. Je t'aime bien, toi. T'es marrant. C'est bien, c'est bien. Allez, bien. On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. Pas non, non. C'est de la merde. Pourquoi? Tu vas voir. Oh putain, lève. Tout va bien se passer. Regarde-moi. Trop stylé la grue, j'aime bien. Prendre genre, ils ont. Oh, faire l'équilibre en plus. Putain. Et si je penche trop vers la gauche, vous avez vu. Hop, 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 hop. Il faut essayer de remettre à l'équilibre. Comment ils ont... Il me parle pas de la prophétesse. J'ai jamais eu peur du vide. T'as peur de quoi alors? De l'océan. Des chiens. De mer. Oh, on commence à voir le... Oh, trop classe. Attendez, 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 ça mérite une belle petite point de vue là. Regardez comment c'est beau, regardez. Regardez comment c'est beau. C'est joli. Le brouillard a disparu et cette fois-ci on est monté. Trop classe. Tu es presque. C'est vrai que pour les gens qui ont peur du vide. Ah oui. Ah oui. Si t'as peur du vide là, c'est un peu chaud quand même. Oh putain. Concentre-toi sur moi. J'y arriverai pas, Lev. J'y arriverai pas. Mais si, tu vas y arriver. Je te dis que non. C'est vrai que si t'as un peu peur du vide là. Véritable force. C'est chaud quoi. Mais franchement, c'est trop classe. Je sens qu'à la fin, elle va se casser la gueule, elle va être en équilibre, il va falloir la récupérer. Je le sens d'avance. Non? Non? Ah, c'est... Tout doucement. Tout doucement. En plus, il y a du brouillard et tout, c'est-à-dire que ça doit être humide. Et donc là, ça doit glisser vu que c'est du métal. Aïe, 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 aïe. J'y ai presque. Oh, t'es juste à côté, abuse pas, arrête de faire ta fine bouche, là. Ah, c'est le moment où elle va se casser la gueule, obligé. Allez. Je le savais. J'avais dit quoi juste avant? Heureusement qu'il y avait de l'eau, hein. Mais ça, c'est chanceux du jour. Hein. Et là, on va se retrouver face à face à des ennemis. Obligé. Non? Ah ben non, même pas. Pente, genre, c'est chanceux du jour. Genre, elle tombe pile dans l'eau. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est chanceuse, c'est impressionnant. Pas, pas, pas. Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. Allez, on y va. Non? Tu vas pas y aller? Moi, j'y serais allé, là. Ok. Oh, c'était pas une seconde, là, c'était genre 10 secondes. C'est bon. Allez, on va y aller. Let's go. Let's go, mon ami. Let's go. Par où maintenant? Je sais pas. Je sais pas.
Comment ça? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Okay, ouais, ouais. Bon. C'est à cause de toi, ça. Essayons de trouver le moyen de descendre. Bah là, il y a les toilettes. Oh, j'ai les oreilles qui sifflent. S'il y a que ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, bah pas moi. Prier, prier. Ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. Ah, c'est quoi? Oh, c'est la petite, le petit bar. Il doit y avoir des loot dans le petit bar, non? Non. Regardez-moi cette vue, mais comment c'est beau! C'est beau! Bonjour, je voudrais un cappuccino, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, vous pensez pas. Ah, encore un petit truc là. Non? Tcha. Je l'avais dit. Des petits stimulants. Combien on en a là? 37. Ah, c'est pas assez, malheureusement. On peut rien faire avec 37. Il en manque un petit peu. Il en manque 3. Ah, il y a une note. Qu'est-ce que nous dit cette petite note? Please, tentez-les, ne quittez pas. Merci de ne pas laisser vos affaires et vos objets de valeur traîner pendant votre service. Il y a un coffre dans la placard d'entretien du hall. Le code est le même que pour le wifi. Ah, il faut trouver le code pour le wifi. J'aime bien ces petits, ces petites quêtes comme ça où il faut trouver des codes et tout. Wifi. Si jamais vous voyez le code wifi, n'hésitez pas à me le dire. Code wifi? Non? Pas le wifi code? Y'a pas de wifi code! Wifi? Non. Trouvons le code. Oh, une petite gym! Oh, ça, je reconnais ça. Ah, ben voilà, le code du wifi. Ah, le code c'est. Oh putain, va falloir le retenir. Alors attendez, parce que j'ai la flemme de le retenir. On va prendre une photo. Hop là, le talent. Vous avez vu, je le reconnais. Hein. Hop là. Hop là, pas du tout. Hop. Récupérons tous les petits loots. Mais tu m'as fait peur. Oh, il y a encore un code du wifi là. J'espère que c'est les mêmes. Hein. J'espère qu'ils nous en ont pas mis de 59 et genre il faut tous les tenter. Mais ça va pas le faire. Ça finissait par 78. Ça finit par 78 aussi. Ou 74, je sais pas. Un des deux. On a tout fouillé. Eh bien, c'est bien. On va pas se partir. Hello. Ah, ben il est là. D'accord. Bon, c'était pas si loin que ça. Alors attendez, il faut que je retrouve juste. Le petit code que j'ai pris en photo. Parfait. Alors, on avait... si je le retrouve. On a fait 12-18. Donc, 12, 18 et 79. C'est dans 79, je crois, ouais. 79. Hop. Et ben voilà. C'est pas si compliqué. Ah, en plus, ouais, y a pas grand-chose, par contre. Hein. Stimulant. On en a pas mal, yes. Confection des armes de corps à corps améliorées, plus résistant. Ok. J'ai fait n'importe quoi là, c'était ça. Munitions supplémentaires pour le gros truc. Ah oui, je dis oui. Ah ça, je dis oui. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ici? Oh, on peut faire un petit kit, ça c'est cool parce que franchement, niveau kit, on n'est pas ouf. Surtout en ce moment. Hop là. Alors, on fait un kit, mais on est obligé de se mettre quoi, vraiment. C'est pas du tout obvious ça comme technique. Allez, ouvre-moi ça. Bah, abuse pas, tu forces, ça va s'ouvrir. Si on rejoint la rue, on sera juste à voilà. Côté. À côté de l'hôpital? Voilà. Vous faites peur, monsieur, là. Cadavre. Par contre, genre... Non, c'est la Fedra. Regarde, mais... Non. Tu veux pas récupérer le gilet pare-balles? Genre, vraiment, c'est pété, hein. Pourquoi vous voulez pas faire ça? Ah, d'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'il est écrit? Seb. Victoire et Irina. Sont morts. Pour ordre de nettoyer l'immeuble. Avery et Maylie ont disparu et j'ai été mordu. Le nid était plus gros qu'on le croyait. J'ai essayé de tout faire sauter, mais ces putains de détonateurs n'ont pas marché. Finalement, c'est l'incompétence de ces conneries de Fedra qui a eu ma peau. Ok. Il y a des infectés dans ce bâtiment. On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors j'en sais rien. Donc il y en a.
Ok. C'est glauque en tout cas, regardez-moi ça, on se croirait sur Outlast, vraiment c'est dégueulasse, il y a du sang partout. Des sports. Mets ton masque. Ah, pas de masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances? On a dû s'enfuir. Bah j'y vais tout seul. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Eh ben c'est pas grave. Prie pour que je m'en sorte alors. Très réconfortable ça. Stylé. On aurait largement pu le skip, hein, ça. On pouvait directement passer en dessous. Mais je pense que c'est un petit annexe qui nous permet d'avoir des petits trucs en plus. C'est vraiment pété. Donc je dis pas non. Merde. Toi, reste là-haut, ok ? C'est quoi, c'est un gros qui est au-dessus ? Par contre, il faut qu'on recharge nos armes là. On a plus. On a rien qui est rechargé. Ok, on a rien, ça sert à rien de regarder de ça. Voilà, recharge-moi ça s'il te plaît, merci. Oh, on l'a vu. Hello guys. Non, y'a rien, d'accord. Alors, je me mets en sneak parce que je pense qu'il y a des mobs juste au-dessus. On va vite voir. Il veut pas nous les montrer. Pas grave. Ce n'est pas un grave. Allez, ouvre-moi le tiroir, ouvre-le. Ouvre-moi ce tiroir, Nedidu, il y a de l'alcool en plus dedans. C'est bon ça pour la santé. Pas du tout, hein. Les enfants ne faites pas ça. C'est mauvais. Hello guys. Oh, un masque, bah elle va le récupérer pour lui donner. Ah bah non. Bute-toi si tu veux, mais bousille pas le masque. Mais il est con. Connard. T'aurais pu tirer sur le côté. Dans la tempe. Nom de Dieu. Pas très intelligent. On va se taper un boss fight, je le sens arriver. Comme Jojo. Hello. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit tiroir? Oh, des stimulants, trop bien. Trop bien. Hop là. Je sais pas où on va, mais on y va. Ça, c'est le primordial. Oh, c'est sale. Ah, ben lui, il en a un masque. Il est pas cassé, son masque. Que je sache. Récupérer ça. Toi, ton masque, il est pas cassé. Il a l'air bien. Ouais, juste il y avait quelqu'un qui est mort, mais bon. J'arrive, lève. Oh, on a un masque dans son inventaire, regardez en bas à droite. Trop classe. Je sais pas si c'était déjà le cas avant, mais... Trop classe. On a plein d'écrous, là, c'est cool. Hop là. Comme ça, on va pouvoir faire des petits... Amélioration. Oh non, vraiment. Ça bouffe toi ça. Ils peuvent arriver que par en face, on est d'accord. Hein. J'ai vraiment loupé ma flèche quoi. Elle est où ma flèche? Attends, mais j'entends quelqu'un juste à gauche là. Arrêtez de me faire flipper comme ça là. Hello. Au revoir. Donnez-moi ma flèche, monsieur. Oh là, tu m'auras pas. Voilà. Prends-moi ma flèche. Merci. Tiens, pouffe-toi ça. Pam. Esquive. Non, pas d'esquive. Même pas besoin d'esquive. Putain, on en a déjà tué 3, il en reste combien, vous pensez? Oh, ce shoot. Avec une flèche, on va tous les avoir, vous allez voir. Esquive. Ah, ils sont beaucoup. Je crois qu'il en reste 3. Non, mais c'était pas une bonne idée de fight. Non, mais arrête, casse-toi. Tiens, vise. Viens, mon petit.
Hello. Tiens, bouffe-toi ça. Tiens, bouffe-toi le patate. Le patate. Par contre, on a niqué notre flèche, malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. On va le finir au fight à la main, le dernier, je pense. Deux. Boum, tête, coup de tête. Esquive, esquive. Coup de tête, coup de tête. Esquive, pam, 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 pam. Allez, attaque au corps à corps. Voilà. Ça, j'aime bien, ça. Pam, la tête. C'est bon, on les a tous eu, normalement. Moi, elle les a tous eus, hein. C'est bon. J'espère que c'est bon. On est rentré par où? Je crois qu'on est rentré par là, il y avait une porte là à droite, non? Ouais, il y avait un petit passage. Oh oh oh. Hello. Ah merde! Mince! Mais j'ai cru qu'on pouvait passer à gauche, non? Il y avait une petite passage. Aïe aïe aïe, cette mort débile. Je sais pas combien de morts on est au total, j'espère qu'à la fin on aura un compteur de morts. C'est obligé, vous êtes obligé, Nogidog, de nous faire ça quand même. What? C'était par où? C'était ici? Tiens, c'est cadeau. Trop bien. Pourquoi tu l'enlèves alors qu'elle vient de le mettre, elle? Ça va bien? Attends. C'est bon, et ça va bien? On perd du temps. Et alors? On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. C'est pas ta sœur. Voilà. Sa sœur, je sais pas, sa sœur. Je ne sais pas. On y retourne? Ok. Oh bah on y retourne alors. Par contre, genre ils sont confiants, genre moi à leur place je prendrais plus de temps à vérif si jamais vous avez bien mis le masque et tout, parce que ça, ça te touche à peine, t'es mort quoi, le truc tu respires à peine. Genre, niveau protection. Ou quoi? Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Je explore un petit peu, là on n'est pas passé par là tout à l'heure. Il y avait l'air d'avoir de l'exploration active. Il avait un petit casque, c'est un mec de la Fedra. Il y avait beaucoup de gens de la Fedra ici, c'est quoi? On est dans quoi? Je sais pas dans quoi on est, mais... Ah, mauvais touche, mauvais bouton. J'avais l'impression qu'on est dans un bâtiment où c'est qu'ils ont essayé de tuer tout le monde, mais au final, c'est eux qui se sont fait tuer. Par où c'est? Où c'est que tu veux m'amener? Ah ouais, là-haut? Ok, bah vas-y. Hein. Compte échelle. Oh, des balles de pompe! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de balles de pompe. Bah... Tiens, recharge. Hop, hop, parfait. Comment on va faire pour monter? Ok, triangle. Tuyau d'incendie. Lev, viens descendre ça. J'arrive. Il va y avoir un boss au-dessus, faites gaffe, il y avait du bruit. C'est dangerous. Tiens, balance-moi le truc là. Putain, il y a des bruits flippants. Ah ouais, alors ça c'est pas intelligent par contre. Je vais aller voir en bas. Ouais, fais, vas-y. Attention. Ça m'a l'air vraiment ça. Allez, descends. Descends, descends. Ah oui, ça a l'air pas très très propre tout ça. Même si on se laisse tomber, après on peut plus remonter. Bon, on peut plus remonter, hein. Alors on dit, on va voir en bas, mais celle qui est allée au final. Harry, l'hôtel de Black Ray renferme un grand groupe d'infectés, probablement ceux qui sont sortis de l'hôpital. Toi, en ton groupe, allez devoir faire sauter les fondations de l'intérieur et utiliser les explosifs et le détonateur qu'on vous a fourni. Bonne chance. C'est le mec qu'on avait vu juste au-dessus qui s'est fait, qui s'est tué. Oh, il y avait des balles. Ok, intéressant. Bien, continuons. Il n'y a rien ici, hein. Mais, tu veux qu'on passe par où? Il y avait rien ici. Ah, il y avait une porte. Oh bah, elle doit être fermée la porte. Ah, ok. Faut le voir, hein. Oh, on les voit en bas à droite. On l'a vu. Non, vite, recharge, recharge, recharge. C'est bon. Oh, what? Il sort d'où, lui? Tiens, débotte là, débotte là, débotte là. Oh,
Allez. Bien joué. Oh, l'attaque éclair. Boum. Le claco. Le claco. On est reparti. Quoi, putain de merde. Putain, mais c'est... Ah ouais, on est rouge. Putain, mais on s'est fait déboîter. Hein. Jusqu'à ce qu'il me saute dessus. Ah, mais là, on est mal. On a plus de... On a plus quoi de se refaire de la vie, là. C'est la merde. C'est la merde noire. Malheureusement, on peut pas se refaire de régène. Oh. Tiens, tiens, tiens. Ça finit en film d'horreur, le truc. Hein. À ton avis, combien d'étages on peut encore descendre ? Ouais, 8. Il est grand, cet immeuble. C'est vrai qu'il va en falloir beaucoup des étages, là. Oh, y'a... Attends, il chute. Y'a du monde, y'a du monde. C'est quoi le bruit que j'entends ? Ah, il est là ! Il est juste là. Regardez, je vais faire un saut et il sera à gauche. Mais quoi? Je peux pas tirer? Mais what? Mais... Oh non, je m'étais trompé, j'avais appuyé sur triangle, j'avais pas pris les bonnes cartouches. Oh non. Ah, c'est du troll ça par contre. Eh ouais, j'étais sur les mauvaises balles. Ok, quel foutu troll. Y'en a d'autres ? Non, y'en a pas d'autres ? Ok, on l'a géré. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis quoi là ? What ? Mais y'en a là encore une fois ! Mais ils sortent des murs ! Oh, arrêtez ! T'as corps à corps ? Vas-y, fais le sortir ! Vers la droite ! Mais oui, mais vers la droite, Tu veux pas m'aider ? Oui ! Ils sortent des murs, les ennemis. Ils sortent des murs, j'ai l'impression. Ils sont raccrochés au mur. Tcha tcha tcha. On va y arriver, on va y arriver. Donc comme d'hab, il y en avait un juste là, sauf que mauvaise munition. Voilà. Parfait. Charge. Il y en a un qui est genre juste là. C'est sale, il est juste dans le mur le type. Mais d'où il vient l'autre par contre? Ok, ok, ok. Ok, on l'a vu. Je pensais qu'il y en a un autre. Oh bordel. Lève, je suis trop contente qu'on ait pris ce raccourci. Ah, on peut faire des munes. Oh, ça c'est trop bien par contre. Hop, on se refait des petites munes. C'était de l'humour. Parfait. Par contre, niveau balle là. Aïe 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 aïe. Ça va en vrai, mais bon, c'est pas fameux. C'est pas fameux comme d'hab, on est vraiment just. Y'a pas de loot. Oh non 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 non. Putain, j'ai failli tomber. Oh. Putain, mais on va descendre jusqu'à où comme ça? Oh, y'a un distributeur, hop, de la bouffe. Merci mon ami. Oh, attendez, attendez. Ouais, mais on peut pas le tuer, le problème c'est qu'on peut pas le tuer parce qu'on a pas de petites... Attends, est-ce qu'on peut les crafter? Eh non, on peut pas les crafter malheureusement, on n'a pas de ciseaux. Mais y'en a deux en plus. On va essayer de passer en discret. On peut pas regarder, on n'a pas de seringue. Quelle est cette arme? Quelle est cette arme? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, j'aurais dû les tuer, je pense que je vais les tuer, je pense. On va les tuer, on va les tuer. Parce que si je les tue pas, le problème c'est que... Est-ce que vous pensez que je one shot? Ouais, on fait vraiment pas de bruit avec ça. Genre ils les entendent pas les ennemis. Ok. Quoi? Y'a quelqu'un qui arrive? Ah, on a déjà récupéré l'arme pour le jeu, ok. Ok, dégage mon ami. Oh, ça donne-moi des petits mines. Parfait. Oh, si, on va pouvoir faire des... Pas comme ça, à chaque fois je me trompe, c'est mauvaise touche. On va pouvoir faire des petits... Ah, mais non, mais...
Mais on vient de récupérer un ciseau. Wait, what? Ok. Je crois que j'ai vu flou. Je pense. Mais on peut faire des... Ah, un kit. C'est plus important un kit que des grenades explosives. Parce que le kit, là, il va nous falloir maintenant. Donc je vais le mettre. Et on va continuer. On a un petit on a un petit lance-flamme. C'est excellent. Un lance-flamme. Trop classe. Bon, mais continuons à descendre. Oh, oh, j'entends un boss. Ça, c'est le bruit d'un boss, ça. Il est où? Il est juste derrière là-bas. Ça, je crois que c'est un boss. Oh, attendez, mais comment on va faire s'il y a un boss? Bah, il y a un boss juste là. Vous pensez ça passe si je fais ça là? Il est supposé mourir quand même. Voilà. Bon, on a usé toutes nos balles, mais c'est pas grave. Au moins. On est pas mal, on l'a tué. Bah au moins ça marche bien ça sur les boss. Bah ça use un chargeur entier par contre. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Continuons, continuons, continuons. J'ai envie de sortir de cet hôtel là, il me fait... Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Elle est où la suite? Elle est là, ok. On aurait pu largement le... Quoi tu détestes ça, il y en a ennemi encore? On aurait largement pu l'esquive, hein, le gros boss. Hein. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Oh, c'était quoi ce bruit? Dégage! Je vais... D'accord, d'accord. Bam! J'étais des boîtes et tibac, tibac, tibac. Par contre, genre, ils sortent des murs, c'est une horreur. Continue à descendre, on est presque au niveau de la rue. Ah, on est presque arrivé, ouais, ouais, bof. Ils vont encore nous sortir des murs, les ennemis, là, il y en a un dans le mur. Je sens qu'il y en a un dans le mur, là. Non? Ok. Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Bon, par où on passe, là? Au-dessus? Non, pas au-dessus? Par où on passe? Par contre, il y a tellement d'endroits à fouiller, mais en même temps, il n'y a pas non plus des loups de malade, mais... C'est toujours ça. Ah, ok, on passe par là. Oh, mais on est arrivé en bas. Mais il y avait des mobs, on l'a vu tout à l'heure en bas. Non, 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 non. Mais oui, mais non. Pourquoi tu sautes comme ça? Tu es débile ou quoi? Je crois qu'elle est débile, notre teammate. On va y arriver. C'était plutôt vers là. Voilà. Oh, 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 il y a un masse stimulant ici. Eh ouais, 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 ouais. J'aime bien ça. Bon là il y a rien à fouiller. Je crois qu'on a à peu près tout jarclé au niveau des mobs, mais il y en avait qui étaient ici tout à l'heure, je les ai vus. On avance. Oui, on avance. Bon, vaut mieux. Hein. Est-ce que ça va? Ouais. Et t'as, Panther, j'en ai vu tout à l'heure des mobs juste ici bouger. Donc clair qu'il y en a encore. Ah, mais on est encore très très haut. On est tellement haut. Il n'y a pas l'air d'avoir de loot, donc on va direct descendre. Quoi? Ok, bon, on peut passer là. Est-ce que vous voyez des loot? Non, aucun intérêt. C'est pas grave. Allez hop, continuons dans ce petit hôtel, ce petit, petit immeuble. Oh, oh, oh. Tiens, 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 comment on se retrouve? Il y a du monde. C'est par là, mais il va y avoir une cinématique avec un ennemi derrière ou un boss, obligé. Je reconnais ça, je reconnais. Allez, triangle, 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 triangle. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, le boss, on l'a vu. Putain de merde. Est-ce qu'on a eu de quoi faire des... Ah ouais, non. Ouais, on va pas les fight, hein. Ils ont l'air d'être beaucoup, donc on va éviter de fight. Mais je peux même pas le fight, c'est ça le pire, c'est que... Lui, je peux même pas le tuer. Attendez, on va essayer de faire un truc. Ah, je peux même pas le fight, je suis deg. Si je passe très très loin de lui comme ça, là, il va me voir. Mais non, mais non. Quoi? Mais non.
Réunis. Allez, bouge, 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 bouge. It's a time to se barrer. Not here, not here. Pas comme ça, Thierry, pas comme ça. Vite, bouge, 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 bouge. Oh non. Bah, le monde qu'il y avait. Ok, alors. Comment on va faire? Je pense que la meilleure technique, c'est genre tous les attirer là-bas. Voilà. Comme ça, là, on peut passer 30 km ici. Tout en récupérant, bien évidemment, les explosifs. Lui, là-bas, il a bougé. Parfait. Ah, mais il y a un mec dans le mur, en fait, juste là. Non, tu me pas vois. Voilà, ça passe. Fallait pas faire de bruit, les gars. Si vous parliez, ça passait pas. Oui, mais ils nous voient pas. J'en connais une qui va se faire fight. Mais faut qu'on aille là-bas, on va éviter de les fight eux parce qu'on a vraiment zéro. Enfin, en vrai, on peut tous les tuer, mais on a tellement peu de munitions que ça serait un peu dangereux quand même. Il me faudrait un pavé ou un truc pour les attirer très loin. Ah, mais il va pile là où je veux pas qu'il aille. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Va pas là, mon ami. Oh, des mines. Voilà. Allez, allez, vas-y, 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 vas-y. Oh, c'était chaud. Hein. C'était chaud, c'était chaud. Mais on a réussi, on a réussi. Allez, continuons là parce que on va jamais s'arrêter sinon. Non, faut passer par où? Passer par là encore? Non, mais. On va faire tous les étages, je le sens. Hein. On est parti pour faire tous les étages. Après, récupère toutes tes balles. Récupère, récupère. Là, ah, une petite porte. Hello. Oh, mais on est déjà arrivé en bas. Trop classe. Bon, bah, il y avait du monde. Hein. Oh, elle est confiante, elle. Je sais pas si on pouvait passer en face, parce qu'il y avait l'air d'avoir un petit endroit avec des loot. Ça avait l'air classe. Ah, mais il y a encore de la hauteur du bâtiment. C'est classe parce que regardez, quand je regarde vers le bas, il y a un effet de hauteur, regardez. Vous avez vu, ça fait un effet de hauteur avec la perspective et tout, c'est trop classe. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime plutôt pas mal, ouais. Effectivement. Quoi, tu vois l'escalator jusque là, quoi, l'élévateur? Où ça? Ouais. C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. Ah ouais. C'est cool, Lev. C'est vrai que c'est cool. J'espère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Ira s'inquiète. C'est cool comme frère. C'est vrai que t'es plutôt sympathique. T'es plutôt sympathique. Tu regrettes d'écraser la tête? On n'est pas censé éprouver des regrets. Hop là. J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est notre mère. C'est notre devoir. Intéressant. Puisse-t-elle te guider? Oui. Oui, monsieur. Oui. Y'a pas des loot là? Parce qu'on est vraiment pas ouf en vie en fait. C'est limite limite, hein. Tiens, tiens, tiens. Attends, mais on est à côté d'une cuisine, y'a pas des petits loot là? Genre de quoi faire un petit peu de la nourriture pour se régénérer? Hop là. Oh, y'a du monde. Un petit centre de guet là, il doit avoir du monde, je pense. On va devoir fight tout le monde. Ah, moi j'en vois. Ah, mais non, non, pas du tout. C'est notre camp de poste. C'est là où on est, c'est l'hôpital. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils voudraient te faire la peau. Moi, y'a qu'au backgammon que je suis une menace pour eux. Le backgammon? Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Oh, ils sont potes avec nous, donc ils vont rien me faire normalement. Ok.
Normalement, ils ont pas supposé me fight, ils sont teammates avec moi. Normalement. Mais encore une nouvelle fois, nous on était juste à droite quand on était avec Ellie. Cette fois-ci, on va s'arrêter là pour l'aventure de The Last of Us Partie 2. Oui, je sais plonger sous l'eau, ne t'en fais pas, mon ami. On va s'arrêter là pour l'aventure de The Last of Us Partie 2, l'épisode 20. On continue demain, comme d'habitude, pour l'aventure. On s'arrête pas tous les jours à 16h, comme d'hab. Allez, on se dit à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé. Et puis, à demain pour la suite, l'épisode 21. Allez, ciao, et comme d'habitude, passez une bonne journée.